Et salut tout le monde, c'est Lily. Comment ça va aujourd'hui? Alors j'espère que vous allez bien. Nous, ben voilà, l'épisode 4 d'Alice va commencer. Enfin le 4 ou le 5, je sais plus. Ça y est, le fameux truc où on ne sait pas. Et le fameux truc aussi qu'on fait tous en parlant pendant l'intro, c'est tourner en rond dans un jeu. Voilà. Je trouvais ça énervant quand je regardais des vidéos personnellement, mais en fait je fais la même chose. Comme quoi. Bon, en tout cas, on est reparti. Alors, la dernière fois, nous avons été chercher les bras, qui sont ici, les bras du chapelier. Voilà. Et aujourd'hui, on va aller chercher les jambes, je crois. Alors, je tourne cet épisode à la suite, évidemment. De toute façon, ça se voit à la caméra, je suis habillée pareil. Hop. Alors, si je me souvenais, ouais, il fallait bien faire ça, effectivement. Allez, cours! Bon, la dernière fois, on s'en est plutôt bien sorti. J'espère que ça va continuer. Ce serait bien. Écoute le chat, il est souvent de bons conseils. Oui, mais alors, avec la manette, là, je ne sais pas comment on fait pour écouter le chat. Donc, la dernière fois, on est parti au filtrage des arômes qui est ici. Cette fois-ci, on doit partir quelque part par là. Oui, chauffage et pression, c'est ça. Donc j'imagine que sans avoir peur, je peux aller là-bas. Non, ça me paraît pas raisonnable en fait. Mais alors quoi? Enfin, la dernière fois, ça me paraissait pas raisonnable non plus, et au final, ça passait. Donc oui, voilà, ça passe. Je m'inquiète vraiment pour rien. Je pense pas qu'on puisse améliorer une arme là. Non. Ça coûte trop cher. Bon ben voilà. Les ruines insidieuses ne savent pas se défendre et j'ai pas eu le temps de lire. Moi aussi je veux lire. Bon, je vais pas me plaindre, des temps de chargement sont rapides au moins. Alors, y a-t-il quelque chose derrière nous déjà? Non. Non. Alors, j'espère que c'est pas indispensable de parler au chat. Enfin, je veux dire que c'est pas très utile, qu'on peut s'en sortir facilement sans. Ou peut-être qu'il me serait très utile à moi. Mais étant donné que je sais pas comment faire avec cette manette. Il n'y a pas un interrupteur? Non, parce qu'on est d'accord que je peux pas aller là-bas. Il y a une plateforme ici, donc doit y avoir un interrupteur. Ah bah oui, il est là. Pour une fois que je me doute qu'il y a un interrupteur. Zut. Non, faut pas que je le fasse comme ça. Non mais non, si j'ai plus de munitions, c'est nul. Non mais c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'il faut faire, si. Ça va pas le faire, ça. Bah si. Ou alors, faut pas le faire comme ça, mais ça marche quand même. Allez savoir. Le principal, c'est que ça marche, j'ai envie de dire. Bon, il était caché celui-là. L'industrie vit de nos souffrances. Avidité et lassitude, Alice. Voyez ce qu'elle a fait de ce quartier. Vous devriez vivre à la ferme, en Australie peut-être. Nous devrions céder ce qu'il reste de votre héritage. J'arrive pas forcément à suivre les souvenirs à chaque fois. Ah, et aussi, je me posais une question. Alors, j'ai vu qu'il y avait un jeu qui s'appelait. Oui, parce que je découvre le jeu Alice. Hein. Mais j'ai vu qu'il y avait un jeu qui s'appelait American McGee Alice.
Et est-ce que, si vous savez, mettez-le dans les commentaires, hein, surtout. Est-ce que c'est le jeu qui se passerait avant celui-ci? Avant le retour au pays de la folie. Alors, ça vous paraît peut-être bidon comme question, du coup. Mais étant donné que je ne connais pas du tout cet univers, j'avoue m'être posé la question quand même. Et par la même occasion, si jamais ça vous intéresserait de le voir avec moi, pourquoi pas? Si le premier me plaît au final. Qu'est-ce que ça fait ça? Ah. Je sens que je vais adorer. Non, mais non. Ça, c'était joli comme fail. Non, parce qu'on est d'accord, il y avait une chance sur combien que je sois entre les deux. Suffisamment pour que je tombe entre les deux. Ah, j'adore. Ah là là, je suis trop forte. C'est tout moi ça. Ah oui, on pouvait tomber là. C'était dangereux. Je sens que je vais adorer cet endroit. Ouais, si on a le temps de passer en fait. Ah, mais franchement, j'adore. Vraiment, c'est un plaisir. Ah, mais il y a quoi là-bas? Ouais, mais il y a ça, il y a aussi ça. Bon, d'abord ici. D'accord, c'était juste pour des dents, peut-être. Et ici. Ok, il y a encore un interrupteur. Oui, donc en fait, c'est le bon chemin. Ouais, enfin, du coup, je veux savoir ce qu'il y a dans la serrure en bas. Oui, il y a un champignon pour remonter, donc c'est bon. Oh là, je vois rien, la caméra. La caméra! Non, les montes, déconne pas. Fais pas de conneries, Alice. Ça reste enclenché ou non, ça reste pas enclenché. Faut aller là-bas, j'imagine. Ici, il y a quoi? Un interrupteur. Ok, j'imagine que ce sera quelque chose qu'on accède là-bas. Bon, j'imagine que pareil, il vaut mieux que je mette une bombe dessus. C'est où? Ah oui, c'est là-bas. Ouais, mais non. Non, parce que j'ai vu que c'était en rapport avec cette porte, mais on peut pas y aller. Ah, mais par contre, tout à l'heure, non, je sais pas. Ouais, ça y est, je suis perdue. Ça... ouais, je sais même plus où je dois aller, du coup. Par là. Parce que c'est ici, je crois. Ouais, c'est ici. Donc ça, si ça remonte, c'est suffisant. J'ai fait exploser la bombe. J'ai pas fait exprès. Oups. J'ai
J'ai appuyé sur le bouton sans le vouloir. C'est pas grave, tout va bien. Tout va bien, on a l'habitude, hein. Les petits fails de... Ouais, mais non. Non, je suis pas perdue. C'est pas vrai. Mais ils font quoi en fait? Au secours. Ah ouais, mais si, en fait, si c'est bien ça, mais c'est juste que... Que je sais pas pourquoi ça a pas marché tout à l'heure. J'ai pas été assez rapide ou j'ai fait exploser la bombe sans m'en rendre compte, tout simplement. Petit lag, ça faisait longtemps. Bon, là, y a rien. Oh non, pas encore toi! On met la caméra! Bon, ça va, il était pas si terrible. Non, mais en fait, ça passe, mais. Au secours, non, je suis trop près là. Je suis tellement douée, mais tellement. Non, mais là, je passais. Je vais mourir 50 fois ici en fait. Je vais mourir sur le truc le plus con du jeu. C'est ça qui est bon. Alors. Ah, quand on a du talent, on a du talent. Et là, du coup, ok, ça ouvre la porte. Et ça fait venir un mob. Ok. On s'en fout en fait du mob. Oui, bon. On s'en fout pas parce qu'il y a des dents. Il y a des dents. La fille qui va mourir pour aller chercher des dents. Mais non, ça me ramène là, c'est nul. J'aime cet épisode. Cet épisode est bon. Ah là là, c'est tellement stupide comme mort. Ah là là, je changerai jamais. Bon, ici y a rien. J'allais dire, je pense qu'il va y avoir un boss ici, mais... Ouais. Ah ouais, mais non. Je suis très bien en haut, laissez-moi en haut. Et pourquoi ce truc-là, il est genre là? Je l'avais pas vu lui. Tu t'approches un peu près quand même. J'aime pas ça. Ah ouais, mais non. Mais du coup... Ah, il y a un interrupteur tant que j'ai pas battu tous les mobs. Non mais allez, remontre-toi. Parce que là, tu te montres pas, je peux pas te tuer, c'est nul.
Allez, vise-le. Ah, ça s'arrête du coup. Ça, c'est bien pour aller récupérer le peu de dents que je peux récupérer. Ah d'accord, fallait juste avancer. Bon, pourquoi pas? Alors, il y a ça, ouais. Il y a un truc qui court dans la roue là-bas. Ah, c'est des dodos, c'est pour ça que c'est écrit dodo, bah oui. Ah. Un groin! Je l'avais même pas entendu. Une bouteille. Bah, comme d'habitude, hein, si vous êtes à table en regardant cet épisode, eh bien bon appétit. C'est toujours un plaisir. Alors, ok, donc ici c'était juste pour ce petit bonus. Ok, là il y a un interrupteur, cette fois-ci on l'a vu. Pauvre dodo. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Rien que je puisse vraiment rater, ça va? Je suis dangereuse des fois. Pour pas dire tout le temps, mais. Bon, ça va, jusque-là, c'est pas très compliqué. Hein. Je sens que je vais dire ça dans 2 minutes, il va m'arriver un truc. Sinon, c'est pas drôle. Ouais. Ah, il y a un souvenir là-bas, comment on fait pour l'avoir? Je dois aller où? Ah, ok. Pour une fois que je cherche pas pendant 10 ans après un interrupteur, justement. Les pauvres. Mais le souvenir, du coup. Non, je me dis peut-être qu'il y a un interrupteur ou je sais pas. Ah mais non, on peut. Non, on peut pas rentrer, si. Je sais pas. Si, elle est ouverte en fait la cage. Le canari s'endort dès qu'on couvre sa cage, Alice. Comme par magie, il dort du sommeil du juste. Comme maman et papa, ils dorment comme des loirs. Hop. Ton entêtement finira par te blesser. Tu aurais mieux fait d'écouter mes avertissements. Donc, sans un regret, je m'apprête à te faire bouillir comme une écrevisse géante. Ah.
Il est stylé son bras, sinon, en forme de dague et tout, là. Alors, pour les bras... non, pour les... Non, si, c'était les bras. On n'a pas eu trop de mal. Je sens que là, ça va être autre chose. Vu comment je me suis fail au début. Non, 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 non. Allez, vas-y. Soit je vais trop vite, soit je vais pas assez vite. C'est, c'est tout ou rien. Un petit lag. C'est bizarre qu'on soit pas mort, là. Je dois d'abord aller en bas. Non, y a rien en bas. J'imagine que ça, ça va monter après. Non, les grimpes, déconne pas. Ah bah oui. J'imagine bien. Je l'avais même pas vu. Je suis en train de me dire, qu'est-ce qui me bloque la route? Il m'a même pas attaqué. Ça a l'air sympa de travailler avec lui quand même. Ouais, faut retourner au début, je crois. J'ai pas osé y aller comme ça, je me suis dit ça passera jamais. Du coup, là, y a rien d'autre. Changez pas les plans de caméra comme ça d'un coup, ça fait bizarre. Ça passera pas. Ça passera pas. J'avais dit que ça passerait pas. Genre ça compte comme si je me faisais buter, ça. Oh, on peut même pas feinter, du coup. Non, allez, mais non! Mais non! Bon, d'accord, on peut pas sauter à l'infini. Non, non, ça passera pas là. Vous sentez la fille qui est en pleine confiance totale de son skill. Voilà, c'était pas compliqué. C'était juste moi. Ok, le lac qui était vraiment bien placé, que je me suis dit il se passe quoi. C'est pas ce que je voulais faire. Non mais c'est pas lui que je veux en fait. De bouton, c'est un scandale. Non mais il y en a encore un petit. En fait, il y aura plein de petits tant que j'aurais pas buté les autres trucs, mais... Laissez-moi tranquille. Laissez-moi d'avoir buté ces trucs-là. Ça spawn à l'infini ou ça se passe comment? Ah, il y a un autre truc là-bas, je l'avais pas vu lui. Non, je veux pas lock ça, je peux pas changer de cible. Je m'en fous de me faire toucher, je veux tuer ce truc. Thank you.
Ah oui, ça marche seulement si je le lock en fait, l'ombrelle. Non, tu mourras pas. Concentré là. J'ai peu de munitions. Pourquoi y a encore la musique? Je sais pas. Bien qu'il y a un truc là, mais comment je fais pour y aller? Il y a pas un passage genre en étant petit? Je peux pas l'actionner comme ça ce truc. Allez, déconne pas, en petit tu passes ici. Ah mais si, il y a un truc avec... Ah mais il est censé avoir un interrupteur ou bien là? Est-ce bien normal tout ça? Parce qu'on est d'accord, ça je peux pas le casser avec ça. Il y a toujours la musique comme s'il y avait un boss, donc Ouais. Alors pourquoi il y a la musique du boss? Pourquoi du coup je peux rien faire? Faut quand même pas viser le dodo, le pauvre. Il a rien demandé lui. Oui, et puis derrière ces trucs là il y a des interrupteurs en général, donc On va suicider. Ok. Mais il se passe quoi là? Pourquoi il y a un truc invisible qui me bloque la route? C'est normal en fait ça. Ok. Donc en fait, il y avait une théière invisible. Ok. Alors dites-moi dans les commentaires si c'est normal. Enfin, j'irai peut-être voir la solution après en fait, mais... Mais si jamais, dites-moi si ça vous est arrivé aussi, ou si c'est normal, c'est peut-être normal, hein, mais... Mais alors là... Alors là, franchement, je m'attendais pas à ce qu'il y ait un boss invisible, surtout qu'il m'attaquait même pas. N'arrêtez pas, continuez. Ouvrez-moi, je...
Enfin, on a réussi, c'est le principal, j'ai envie de dire. Mais bon, c'était très bizarre. En tout cas, j'espère que ça se reproduira pas parce que je saurais pas du tout ce qu'il faut faire sinon. Je savais pas calculer mon coup du tout là. Il y en a un ici aussi. Ouais, il y en a un ici aussi. Il tombe celui-là? Oui, oui, il tombe. Du coup. Ça m'inspire pas confiance, les trucs comme ça. Oh, allez. Pour quelques centimètres. Ça m'inspire pas confiance le coin. Je suis obligée de refaire tout le chemin. Pouf. Et par là, c'est mieux. Je crois qu'on aura fait plus rapidement les jambes que les bras. On a 32 minutes de vidéo, donc oui, j'ai ma réponse. Eh bien, c'était pas glorieux tout ça, n'empêche. Hein. Le fameux, le chapeau. J'ai terminé. Vous êtes entier, chapelier? Bien. Maintenant, qu'en est-il de ce maudit train? Je suis un nouvel homme. Ou nouveau quelque chose. Je suis comme une lame. Comme une si caustique. Comme la poutre aveuglante qu'on a dans l'œil. Répondez-moi, chapelier. Je souffre. Les changements ici sont-ils cause, reflet ou... effet? Oh, que se passe-t-il? Quelles sont les nouvelles règles? La règle est juste. Juste à portée de voix. La voix qui mène au savoir. Et savoir comment mesurer les règles avec une règle. Règle cruelle. Idiot, vous étiez mieux en morceaux. Venez, vous pouvez au moins m'aider à trouver ce qui se passe ici. Pas mal le raccourci. Ça me fait penser que d'ailleurs, le mois où je tourne cette vidéo, ce let's play d'ailleurs, au mois de juin, il y a le film, un deuxième film d'Alice qui est sorti justement. Il faudrait que je le regarde quand même. Le premier m'avait beaucoup plu. Alors, ok. Donc là, ouais.
bon, mis à part le groin. Allez, vise le groin. Je me suis un peu ratée. Je vois rien. Je vois rien. Je vais où? J'aime quand la caméra n'est pas avec moi. Toujours la faute de la caméra, évidemment. Jamais la faute de la personne qui joue. On va y aller de ce côté-là, ça a l'air plus fun. Non mais, va dans le courant d'air, mais va dedans. Mais va dedans. Qu'est-ce qu'il fallait pas faire? La bibliothèque sent horriblement mauvais depuis que tu t'es mis à la photo. Et ces produits, je suis sûre, sont mauvais pour la santé. Je suis en train de me dire qu'on peut peut-être améliorer une arme, mais... Mais laquelle? Vu qu'au final... Bon, je sais pas, je vais réfléchir pour le prochain épisode, mais on s'en fout de la bombe. Mais au final, je me sers quand même plus souvent du moulin. On a combien de temps? Oh oui, je peux continuer, on a le temps. Courage Alice, je vais ouvrir cette porte. J'aurais pas cru qu'il était si agile, n'empêche, en le voyant. Ne jamais se fier aux apparences. La chronobombe peut être utile lors des combats. Elle attire les ennemis et les blesse lors de l'explosion. Tu pouvais pas le dire avant? Oui bon, sinon c'est quand même plus rapide de les tuer comme ça quoi. Ouais, t'es trop fort. Oh non, y en a un gros. Non, va pas trop dans le vide. Je suis allée un peu loin quand même. La fille qui veut de la marge, être à l'aise pour pas mourir, mais qui va se suicider. Non, je voulais pas faire ça, je voulais faire ça. J'aurais eu le temps, mais non. Je crois qu'on va améliorer le moulin. Vu comment je m'en sers. Laisse-moi ramasser les trucs avant. S'ils y sont encore. Non, ils y sont plus. Oh, c'est arnaque. Je vais le faire tout de suite en fait. Ouais, ça. Ouais. Il a un petit peu changé. Mmh.
Ouais, c'est par là qu'il faut aller, donc je préfère aller dans la serrure en premier. Celui okay. qui dit tout livre commencé mérite d'être lu en entier ne s'est sans doute jamais lancé dans la lecture du dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. C'est passionnant. Oh, on dirait un tremblement de terre. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que j'ai l'air de le savoir? Mon jugement est sérieusement faussé. Ok, bon, on va aller dans la serrure alors. Un champi. Ouais, là y a rien. Y a des caisses. Je suis censée aller par où là? Non, parce qu'on est d'accord qu'une bombe ici, je suis pas. Comment j'ai fait pour pour la mettre là-dedans? J'arriverai à le refaire? Ok, c'est très bizarre. Tout va bien. Non, on peut pas y aller là. Non, tombe pas. Là, c'est de là que je viens, donc ça sert à rien. Et là-bas, il y a la serrure. Mais comment je suis censée faire pour y aller? Ben voilà. Oui, enfin, je t'aurais jamais d'ici. Un interrupteur, forcément. Ben alors, avance. J'aime rester coincé dans les jeux en général pour un truc bidon. J'ai vu qu'il y avait un truc là. Ok, en bas. J'étais encore coincé par un truc invisible, sinon tout va bien. Y a rien d'autre, hein. Non. Y a quoi là-bas? Pas du tout flippant le chapelier. Ah bah, voilà ce qu'il y a là-bas. Ça répond à ma question. C'est un train-château, en fait. C'est très spécial. De ce tumulte. Ces deux-là tremblent-ils? Que complotent-ils? Tu es aussi folle que le fou chapelier, Alice! C'est trop tard! Il est parti! L'insolence, l'arrogance, les mauvaises manières à table, ils détruisent le pays des merveilles! Détracteurs dérangeants, diaboliques!
magnifique et délicieux, Pete. Ont-ils vraiment créé ce train pour détruire le pays des merveilles? Est-ce bien important? Ils méritent la mort. Ah! Qu'on me laisse maintenant! Il faut que... Assez parlé! Place à l'action! Ça m'inspire aucune confiance. N'espérez plus! Oubliez le passé! Le mal est fait! Que la folie commence! Place à la démence! Ouais, non. Je suis pas trop emballée, moi. Aussi. La classe. Mon précieux, mes convives, je voulais juste revenir à une tasse de thé. Chapelier, la promesse, jusqu'où va ce train? Et dans quel but? Dites-le moi, maintenant. Il est trop tard pour faire la conversation, jeune fille. Prenons le thé. Et parle avec la tortue, elle connaît bien les mots. Allez, restons bons amis. J'ai un excellent argent. Buvez donc. Mes souvenirs sont brisés. J'essaie de les reconstituer. Mais ce train doit vouloir m'en empêcher. Vous devez m'aider. S'il vous plaît. Cherche celui qui t'aidera si tu t'aides toi-même. Un certain le sien. N'importe quoi, il peut bien mourir. Je vais me noyer dans le thé, dans l'ignorance. Ouais, d'accord. Pas sûr de tout comprendre, hein, mais ce qui se passe, mais bon. C'est très sympathique tout ça. Voilà une étrange nymphe. Par tous les saints, comment elle est arrivée là, celle-là? On en fait quoi? Mettons-la à la sirène mutilée pour la nuit. Dans l'eau. Va faire le beau pendant une bagarre. Que faites-vous donc? Ce que veut la nature. Je ne m'entends pas avec elle. Dégagez. Eh bien, on dirait qu'on est retourné dans le monde normal. Bon, ben en tout cas, c'est ici qu'on va se quitter pour cet épisode. On n'ira pas plus loin. Alors, apparemment, on n'est plus du tout au pays des merveilles. On verra ça dans le prochain épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et tout ça. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur YouTube, Twitter, Twitch et autres, hein, tout ce que vous voulez, tout ce qui est disponible dans la description si vous le souhaitez. Et nous, on se retrouve au prochain épisode. Ciao tout le monde, des bisous.